pour toute la gloire. À l'oreille d'notre Père, merci de te manifester. Et agis pleinement, pleinement. Nous te rendons la gloire. Utilise la personne et mets du cœur chacun d'entre nous. Dans Jésus, merci. Jésus a donné. Je n'ai pas été guéri.
I'm sorry.
va la libérer dans le nom de Jésus. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas partir et lâcher ce corps. Pourquoi? Parce que ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Si. Ah bon? Oui. Depuis quand tu es dans ce corps? Depuis quand tu es dans sa vie? Depuis quand? Depuis quand tu es dans sa vie? Depuis quand tu es dans sa vie? Depuis son enfance. Et comment tu es entré dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? C'était une petite fille intelligente. Mm-hmm. Elle est très intelligente. Mm. Et comment tu es rentrée? Je ne sais pas. Et donc depuis son enfance, tu es dans sa vie? Oui. Et c'est pourquoi? Parce qu'elle est intelligente. C'est tout? Oui. Donc c'est parce qu'elle est intelligente que tu veux... Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Je veux savoir qui es-tu. Tu vas partir. Je sens un esprit de dragon, un esprit. Tu vas partir. Maintenant. Oui, mais maintenant, tu pars. Tu pars de sa vie. Tu m'entends? Ok. Tu vas partir de sa vie. Ça ne se discute pas. La délivrance ne se discute pas. Tu vas exécuter l'ordre de partir et de lâcher sa vie. Tu m'attends? Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Tu pars parce que Christ a vaincu à la croix. Tu pars parce que Jésus-Christ a vaincu ton pouvoir de par sa mort et sa résurrection. Il nous a donné la victoire sur vous les démons. Nous a donné la victoire sur vous les ténèbres. Lâche-la et pars. Non, Jésus-Christ. Non. Si non. Tu vas partir. Non. Parce qu'aucun esprit ne peut résister à ce puissant nom. Ce nom de Jésus. La Bible déclare que même dans le ciel, sous le ciel, sur la terre, tout genou fléchit, tu fléchiras genou. Et tu vas libérer ce corps. Sors. C'est pas une question, je t'en vais te dire quelque chose. C'est une question que tu dois la libérer. L'effet que ça t'apporte m'intéresse pas. Il faut que tu la libères. Parce que sa libération est déjà acquise à la croix. De par la mort de Jésus-Christ. Nous revendiquons sa délivrance. Lâche-la. Pas. Si, tu dois partir. La raison, c'est que tu dois partir. Il n'y a pas de raison. Ce corps ne t'appartient pas. Et tu la libères. Mets ta main. Lâche-la. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Va-t'en définitivement de sa vie. Tu pars et tu la libères définitivement. Tu la libères définitivement. Tu lâches sa vie. Tu lâches son foyer. Tu lâches ses finances. Tu lâches sa famille. Tu la lâches. Et définitivement, tu pars maintenant. C'est un ordre. Tu pars et maintenant. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Lâche-la. 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 Voilà, va-t'en au nom de Jésus. Tu la libères et maintenant. Tu la libères et maintenant. La puissance de Jésus-Christ délivre ce corps. Jésus-Christ te libère maintenant.
Jésus-Christ te libère maintenant. Tu pars et tu lâches sa vie. Lâche-la. Va-t'en. Voilà, lâche-la. Voilà, pas. Voilà, va-t'en. Va. Va. Je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes de l'esclavage satanique et démoniaque par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Tu la libères parce que c'est un ordre. Tu pars définitivement de sa vie. Va-t'en. Va. Va-t'en. 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 Libère. 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 Ah. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Touche-la. Touche-la. Viens. On entend bien, Guéla. Great free, Jesus, la great free. Elle est libérée au nom de Jésus. Great free, Jesus. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui, let's free. In Jesus. Là, c'est fini, tu es délivré. Au nom de Jésus. Allô! Yeah.
le Seigneur plus fort, plus fort, plus fort. Oh,
Amen. Nous sommes tous étrangers sur cette terre et nous irons un jour rendre compte à Dieu. Selon Ecclésias, on dit jeune homme vit selon les pensées de ton cœur. Mais sache que pour tout ça, Dieu t'appellera un jour en jugement. C'est pour cela qu'il faut toujours faire du bien. Il faut se blaguer du mal. Est-ce qu'on peut acclamer notre Créateur?
Dieu bénisse. Amen. La Bible dit, la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Amen.